Et bienvenue dans cet épisode 6. Aujourd'hui, on va voir la notion d'actif et de passif. Tu vas voir, en fait, la vie financière, c'est un jeu. Et comme les jeux de société quand on était gamin, plus tu connais les règles et plus tu as de chances de gagner. La notion d'actif et de passif est important à intégrer parce que ça va te permettre d'éliminer des erreurs qu'on fait sans savoir et même d'adapter des bonnes attitudes à avoir dans la vie de tous les jours pour améliorer tes finances. Alors, qu'est-ce que c'est ? Un passif, c'est quelque chose qui te fait perdre de l'argent et un actif, c'est quelque chose qui te fait gagner de l'argent. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Non, bien sûr, on va développer un peu. Donc, maintenant que tu sais ça, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses ? Il faut que tu te dises qu'est-ce qu'il y a autour de toi ? Qu'est-ce qui est un actif? Qu'est-ce qui est un passif? C'est-à-dire, qu'est-ce qui te fait gagner de l'argent et qu'est-ce qui te fait perdre de l'argent? Et le but du jeu, tu auras compris, c'est d'avoir le plus d'actifs possible et d'éliminer le plus de passifs possible. Bon, déjà, il faut que tu comprennes que quand tu achètes quelque chose, n'importe quoi, tu perds pas de l'argent, tu convertis de l'argent. Donc, tu convertis ta monnaie en un objet. Par exemple, tu as 1000 euros, tu convertis tes 1000 euros en un objet qui vaut par exemple 1000 euros. Eh bien, tu peux reconvertir ton objet qui vaut 1000 euros en 1000 euros de monnaie et ainsi de suite. Tant que tu fais cette conversion, tu n'as rien perdu. Donc, d'acheter des choses, ce n'est pas forcément perdre de l'argent. Par contre, imaginons que tu veux acheter une télé. Donc, tu as 1000 euros et tu vas dans un supermarché que tu achètes ta télé 1000 euros. Si tu veux la revendre immédiatement, qu'est-ce qui se passe? Tu auras perdu la TVA, soit dans les 20%. Donc, ta télé, elle ne vaut pas 1000 euros en réalité. Elle vaut 800 euros plus la TVA. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Ben là, c'est un passif. C'est-à-dire que c'est quelque chose que tu as acheté et qui t'a fait perdre de l'argent. Bon, on part sur un cas concret maintenant pour que tu comprennes. Tu as 1000 euros et tu achètes une télé d'occasion. Comme ça, on règle le problème de la TVA. Tu achètes une télé d'occasion, 1000 euros. Le jour où tu fais ça, tu n'as rien gagné, tu n'as rien perdu. Tu as juste converti 1000 euros. Ensuite, tu gardes ta télé pendant un an. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Au bout d'un an, ta télé, elle ne vaut plus que 800 euros. Et donc, pendant un an où tu as gardé cet objet qui est la télé, tu as perdu 200 euros. Et donc, cet investissement de départ de 1000 euros qui arrive à la fin 800 euros, c'est ça qu'on appelle un passif. C'est quelque chose que tu possèdes et qui t'a fait perdre de l'argent. Et dans la catégorie des passifs, il y a beaucoup de choses. Par exemple, évidemment la voiture, à moins que tu utilises la technique que je t'ai expliquée, c'est un énorme passif. Ça veut dire plus tu la gardes, plus tu perds de l'argent. Les crédits consommation pour t'acheter n'importe quoi. C'est quelque chose où tu vas payer des intérêts, donc ça aussi c'est un passif, mais aussi n'importe quel objet que tu as pu acheter, par exemple des canapés, une table, un ordinateur, tout ça au fur et à mesure du temps, ça perd de la valeur. Et donc il faut essayer évidemment d'en avoir le moins possible, pour avoir le moins de passifs possible. Mais tu vas voir, il y a des passifs auxquels on ne pense pas forcément et qui sont aussi des passifs, notamment deux gros passifs qu'on pense très rarement et qui sont pourtant conséquents. Le premier passif, ça va être ton argent déposé sur un compte épargné. Et ouais, parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe? En tout cas, en France, en général, quand on a de l'argent de côté, on le met sur un livret A. Le livret A, il est rémunéré à 0,75% d'intérêt pour toi, mais l'inflation, elle est au-dessus de ça. En général, on est à 1,5 d'inflation. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Si tu mets ton argent sur ce compte épargne, ben en réalité, le résultat, c'est qu'à tous les ans, à la fin de l'année, tu as perdu de l'argent. Donc, ce que tu possèdes, là en l'occurrence un compte épargne qui te rémunère, en fait, c'est un passif. Donc, avoir beaucoup d'épargne qui sert à rien et qui est posée comme ça, ce n'est pas forcément la meilleure idée. Ensuite, un autre passif auquel on ne pense pas souvent, mais qui est vraiment un passif, c'est ta résidence principale, chez toi. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu ne gagnes pas d'argent avec. Si on prend au début de l'année que tu as investi, mettons 100 000 euros pour acheter ton appartement, à la fin de l'année, tu as payé les impôts, les taxes, les rénovations, les réparations, les charges de copropriété, les assurances, etc. Et donc, si tu fais le bilan, en la majorité des cas, sauf si tu as acheté dans un endroit qui prend énormément de valeur, mais sinon, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ta résidence principale est un passif, c'est-à-dire que tu habites dedans, mais tu perds de l'argent au fur et à mesure. C'est pas du tout un bon investissement d'acheter sa résidence principale parce que à la fin de l'année, tu as perdu plus d'argent que tu n'en as gagné. C'est donc par définition un passif. Bref, en général, tout ce que tu possèdes, c'est un passif. Que ce soit tes fringues, tes meubles, ta voiture, ta maison, donc même ton compte épargne. Tout ça, c'est des choses qui te coûtent de l'argent au fur et à mesure du temps. Et c'est d'ailleurs pour ça
qu'on est obligé d'aller bosser régulièrement pour pouvoir renflouer, avoir de l'argent et pouvoir réacheter des choses. Donc tout ça, c'est des passifs. Maintenant, on va voir les actifs. Dans la catégorie des actifs, évidemment, tu as l'investissement locatif. C'est-à-dire que si tu as acheté des appartements que tu loues à des gens, eh ben, à la fin de l'année, tu vas voir que tu vas avoir plus d'argent qu'en début de l'année. Donc, c'est un actif. Tu peux aussi avoir des parts d'entreprise. Alors, pas forcément des actions, mais des parts d'entreprise, une entreprise que toi-même tu as créée ou que tu as pris des parts d'une entreprise d'un copain qui l'a créée. Voilà, ça, c'est quelque chose que tu possèdes et qui te rapporte plus d'argent à la fin de l'année. Il peut y avoir les obligations d'État. Les obligations, effectivement, c'est quelque chose, tu sais déjà d'avance combien tu vas récupérer. Donc, si tu es au-dessus de l'inflation, ben pareil, ça va être quelque chose où tu vas gagner plus d'argent. Il peut y avoir la voiture, puisqu'on en a parlé dans la vidéo d'avant. Il peut y avoir la voiture si tu as trouvé un moyen d'en faire un actif. Hein, parce qu'à la base, c'est un gros passif, la voiture. Il peut y avoir ta résidence principale aussi. Puisqu'avant, on vient de dire que c'était un passif. Mais si tu trouves un moyen d'en faire un actif, par exemple, tu loues des chambres sur Airbnb ou tu loues entièrement ta maison ou ton appartement quand tu n'es pas là. Ben, et si à la fin de l'année, tu as gagné plus d'argent que perdu d'argent, ça devient un actif. Et donc, c'est important en fait de comprendre ce concept parce que comme ça, toi-même, tu peux faire le tour en fait. Toi-même, tu peux faire le point de dire « Ok, qu'est-ce que je possède qui est un actif ? Qu'est-ce que je possède qui est un passif ?» Et le but du jeu, c'est de transformer tous tes passifs en actifs. De te dire comment je peux faire, là tu vois je filme avec une GoPro, comment je peux faire pour que cette GoPro ne soit pas un passif et comment je peux faire pour que ce soit un actif, soit quelque chose qui me rapporte de l'argent. Bon, tu peux la louer, tu peux peut-être faire des films que tu vends, tu dois trouver des solutions. Et si tu ne trouves pas de solution, en fait tu dois t'en débarrasser, d'après moi. Moins tu auras de passifs et mieux ce sera. En autre catégorie d'actifs, il peut y avoir n'importe quel de tes objets si tu en fais un actif, si tu les loues. C'est un investissement en fait et ça te rapporte à la fin de l'année plus d'argent qu'en début d'année. Alors, c'est hyper capitaliste ce que je vais dire, mais on est dans ce jeu-là pour le moment, donc il faut faire avec. Et donc, la solution pour te libérer du travail, c'est de faire travailler ton argent à ta place. C'est que tes objets, ce que tu possèdes, tes biens et compagnie te rapportent de l'argent. Et c'est de cet argent que tu vas vivre dessus. Alors, les actions, par exemple, tu vois, pour moi, d'après moi, c'est ni un actif, ni un passif. C'est quelque chose, on ne sait pas. Peut-être que l'évolution du marché, il va être positif et que du coup, tu vas prendre de la valeur et du coup, ce sera un actif. Ou peut-être que tu vas perdre de la valeur et du coup, ce sera un passif. On ne peut pas savoir d'avance sûr et certain. Donc, les actions, c'est ni l'un ni l'autre. On verra à la fin quand on a revendu ou quand on l'a gardé un certain nombre d'années. Ce qui est intéressant dans ce concept d'actif et de passif, c'est que tu peux toi-même déterminer si ce que tu possèdes, c'est un actif ou un passif et de faire en sorte de le changer, d'améliorer du coup tes finances avec une autre vision des choses en te disant « Putain, mais c'est vrai, en fait, ma télé, en fait, elle est là, je l'ai achetée, mais elle me coûte, mettons, 200 euros par an. » Tu vois, et pareil pour mon vélo, ma voiture, ce que tu veux, ton ordinateur. Et du coup, ben, tu veux commencer à te dire « Ok, mais ça va pas. Je ne peux pas avoir des objets en fait qui me coûtent tellement d'argent tous les mois ou tous les ans. Donc, il faut que je trouve un moyen pour que ça ne me coûte plus rien ou au moins que je réduise un maximum le coût de ces objets. » Et encore mieux, si tu arrives directement à les transformer en actifs, ben, c'est super parce que c'est en additionnant tous tes actifs que tu vas pouvoir te libérer du travail. Ok, là, je te donne une petite astuce, mais c'est une petite astuce de crevard parce que moi, quand j'ai commencé, j'avais vraiment rien du tout en termes d'argent. Je suis vraiment parti de zéro, voire même de moins. En réalité, quand j'ai commencé, j'étais à moins 30 000 parce que j'ai fait beaucoup de conneries. Et du coup, tous mes objets, j'essayais d'en faire des actifs. Par exemple, quand j'achetais des ordinateurs, j'achetais un ordinateur et j'essayais vraiment de l'avoir au meilleur prix. Je le négociais à mort. Et puis, dès que je l'avais, je le remettais en vente 20, 30, 40, 50 euros plus cher. Et puis, je me disais, ben, si c'est vendu dans 2 mois, eh ben, au moins, ça ne m'aura pas coûté d'argent, tu vois. Et je vais juste tous les quelques mois changer toutes mes affaires, tout revendre. Et du coup, toutes mes affaires sont devenues des actifs. Mais j'avoue, c'est une technique de crevard parce que c'est vraiment gratter quelques miettes. Si tu débutes et que tu n'as vraiment rien, pourquoi pas? En tout cas, moi, c'est ce que j'ai fait. Mais si tu as déjà une situation que tu travailles, bon, ok, tu n'es pas à 200, 300, 500, 1000, 2000 euros près. Donc, ça, c'était juste pour t'expliquer le concept, tu vois, de trouver des solutions à des problèmes. J'espère que cette vidéo t'a plu. Je décolle dans 3 heures pour la Colombie pour un super projet de réforestation que je t'expliquerai dans une autre vidéo. Tu vas voir, c'est un concept de Blue Economy avec Gunther Pauli. Bref, c'est un truc super d'un business qui régénère la forêt. On en reparlera une autre fois. En attendant,
pense bien à ses actifs et ses passifs, regarde autour de toi tout ce que tu possèdes et essaye d'améliorer, de virer tous tes passifs et d'augmenter tes actifs. Sur ce, à la prochaine.